Bienvenue à l'émission Guadoumois. L'émission Guadoumois est une émission qui a pour objectif de promouvoir les restaurants de la place. Aujourd'hui, nous sommes à l'Hippodrome, au restaurant Royal Kada. La promotrice est près de moi. Elle va nous présenter le restaurant et nous montrer aussi les spécialités qu'ils font ici. On se trouve à l'Hippodrome 1, près de la mosquée Babane, juste derrière l'hôpital. Au restaurant ici, quelles sont les spécialités que vous faites? Les fast-food, pizza, recettes africaines ou européennes? On fait tout ici. On fait la boulangerie, on fait la pâtisserie, fast-food, pizza, divi. On fait tout, glace. On fait tout ici. On ouvre de 6h du matin à 2h. Baramuso debe koma gwala ima ima manga nakadisa Baramuso eh anga no bega ja Baramuso eh anga kauka disa eh Mama mi pare nga dominike Baramuso itai ya koe. Et quels sont les plats que les clients aiment le plus? Parce que après tout, dans un restaurant, il y a un plat qui est plus commandé par rapport aux autres. C'est les plats du jour, parce qu'on fait plus les plats sénégalais pour les plats du jour, le tchèp. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'émission Guadoumois chez vous. Quel est le plat que vous allez nous présenter? Aujourd'hui, on va vous présenter le soupe kanja. Oui, sauce gombo. Madame Diop vient de nous dire qu'aujourd'hui, à l'émission Guadoumois, ce qu'ils vont nous présenter, c'est soupe kanja qu'on appelle sauce gombo. D'accord, on va voir comment elle va cuisiner sa soeur pour nous. Pour préparer ma cuisine, je vais me laver les mains avec le savon Baramuso Kokadji. Là, on est dans la cuisine pour préparer le soupe kanja, sauce gombo. Je vais vous présenter les ingrédients. On a le gombo ici, l'ongoyo, oignon, poivron, oignon vert, piment, poisson sec, les yettes, du poisson, mais surtout les produits Baramuso. Soumbala, pâte d'ail, bouillon, piment, bouillon poulet et le sel. Il y a aussi le soumbala en pot et huile rouge, huile de palme. Maintenant, je vais couper le gombo. Je vais mettre l'huile de palme. Je vais mettre le bouillon poulet Baramuso. Je vais mettre un peu de soumbala Baramuso. Mon plat est prêt. Je vais vous servir. Avant la dégustation, suivons le spécial Baramuso. Bonjour, bienvenue au 9e numéro de l'émission spéciale Baramuso.
L'émission spéciale Baramso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner des informations sur les produits Baramso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la moutarde Baramso. La moutarde Baramso est faite à base des graines de moutarde noire, du vinaigre, du poivre, de l'ail et de l'oignon. La moutarde Baramso est utilisée pour les vinaigrettes, les grillades pour les poissons, la viande et bien d'autres. Elle est faite en deux genres, épicée et simple. La moutarde Baramso contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur notre santé. Elle est riche en vitamines du groupe A, C et K. La moutarde Baramso est conditionnée en sachets de 15 grammes, en bidon de 333 ml, de 1 litre et en seau de 5 kg. On la trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sourous Baramso, où vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sourou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin de l'émission. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Baramso, Itaïka Kouye. J'espère que vous avez bien compris le spécial Baramso d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la dégustation. Allez, Itaïka Kouye. Itaïka Kouye. Numéro 1 sur le marché à Baramso. Allez, c'est la Itaïka Kouye. Numéro 1 sur le marché à Baramso, c'est la qualité. Madame Diop, au fait, vous avez ouvert le restaurant Royal Kadai, ça fait longtemps? Non, il y a à peine 6 mois. Oui. Mais les 6 mois là, maintenant ça marche vraiment bien. Vous aviez un autre restaurant avant de venir ici? Non, c'est le premier restaurant qu'on a. Ça marche un peu donné. D'accord, comme la nourriture est prête, on va manger. D'accord. Juste vous remercier les produits Baramso parce que ça nous facilite la cuisine vraiment. Mm-hmm. Nous aussi, on vous remercie beaucoup parce que l'accueil a été chaleureux. On remercie Malik parce que c'est avec lui que j'ai beaucoup parlé. On remercie Baramso qui est notre sponsor officiel. Donc, je remercie Mamadi Koulibaly, Moustapha Diarra et Cheikh Sissogo aussi. On se dit alors, bye bye, rendez-vous au prochain numéro.